Petite vidéo très courte pour montrer. J'ai créé un ensemble de mods prêts à être installés. Donc il faut partir sur une install neuve de Lethal Company. Donc pour montrer, je stack, on fait installer. Moi je vais mettre un lien sur le Discord qui permet d'installer ce mod Finals. Et dans ce mod Finals, en fait, tout simplement, il y a un Pepinex qui est comme neuf. Donc on va faire gérer, pas croire les fichiers locaux. Voilà, là c'est une installation propre, nouvelle. Je vais prendre tac. Donc c'est Bepinex. Je le fous là-dessus. Tout ce qu'on a à faire, c'est fermer. On fait jouer. Et là, il va se lancer pour la première fois, donc il va mettre un peu de temps. On peut voir qu'il va changer. Tac. Il va changer tous les plugins. Donc là, à partir de ce moment-là, on a une version avec pas mal de mods. Je pense qu'il y a une vingtaine de mods. Et qui marche nickel, quoi. Tac. On va faire host. Alors ça garde les sauvegardes, hein. Bien sûr, les sauvegardes ne sont pas dans le jeu, mais sur le PC. Pour montrer rapidement. Plein de petites choses à la con, voilà, il y a le... Ça c'est les trucs, il y a une nouvelle peluche, l'écran qui est un peu plus propre. Ça c'est dans les configs, hein. C'est le même mode. On va aller, hop, descendre. Plein de tenues. On a aussi un espace dédié pour la lumière et le talkie-walkie. Au final, est intéressant parce que ça permet vraiment de s'en servir. Parce qu'en fait, en soi, on peut directement parler en appuyant sur la touche X avec le talkie-walkie sans devoir l'avoir dans la main. Et pareil, F pour la flashlight pour l'éteindre et l'allumer. Oh, c'est. Change pas la face du jeu, surtout que le jeu est quand même beaucoup plus dur vu qu'il y a beaucoup plus d'ennemis différents. Je suis pas sûr qu'on envoie directement. Peut-être qu'on peut voir des nouveautés. Des nouveaux items. Ils sont charges. Ah ouais, ils sont charges. Ok. Je le connaissais pas. Bref. Ah voilà, ça c'est un téléporteur. Il y en a plein partout. Si on le prend, on est téléporté au hasard. C'est que quand on prend des téléporteurs, on peut se retrouver dans des endroits où tout est fermé, c'est génial. Exemple typique, voilà. Ce qui peut arriver, on est enfermé de partout, donc on va pouvoir mourir. Normalement, on est plusieurs, qu'est-ce qu'on a? Ok, génial. On peut pas mourir? Je peux pas. Ah, si, je peux. Voilà. En tout cas, ça marche bien. Tous les modes sont pris en compte, sont configurés, il y a plein de petites surprises. Assez drôle. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. Allez, tchuss.